Chéri, c'est très bien joué. Du matin dans la surface de réparation, la première frappe qui passe à côté du but de Théo Guivard. Le côté droit de l'attaque scholtaise. Nicolas Brunel qui peut frapper. Oh. Attention avec ce ballon relâché par Théo Guivard. Allez, Jonathan Mexique, pied droit, le ballon est rentrant. Le ballon est tendu, la tête de Bamba. Et Jérémy Wissmann qui remet très intelligemment ce ballon pour Axel Maraval. Kevin Ndouzi Mata. Ndouzi Mata à gauche a une solution et qui frappe directement. Et ce ballon qui passe à côté du but de Théo Guivarch. Giovanni Chouacha qui lui centre, un centre enroulé. Et ce ballon dans la surface de réparation, Cafouillé, Randy Gotteni qui frappe. Ce ballon qui est resté juste devant la ligne. Une solution avec Bradley Mazikou encore. Ouais, il a attiré trois joueurs d'un Dunkerque. Attention avec Jonathan Mexique. Et ce ballon qui est contré par Giovanni Chouacha. L'appel de Kevin Ndouzi Mata qui est servi. Il faut du monde devant maintenant. Ça va être au point de pénalty. Kevin Ndouzi Mata qui centre très fort, premier poteau. Et l'intervention d'Idriss Saba. Garde ce ballon d'Mbatiam qui sert à droite sur Kevin Ndouzi Mata. Ndouzi Mata qui centre, Idriss Saba. Oh là là, qui était sorti par Théo Guivarch, me semble-t-il. Il y a peut-être un petit peu d'espace. Il n'y a plus personne à droite. Allez, il alerte, hein, Mehdi Chahiri là qui rentre dans la surface de réparation. Mehdi Chahiri qui tente de se retourner, qui sert bien Hamzaoui qui frappe au-dessus du but de Théo Guivarch. Enzori a immédiatement la frappe. Il faut être vigilant. Fiori qui va récupérer ce ballon, qui frappe immédiatement à côté du but d'Axel Maraval. Allez, c'est parti. Le ballon est tendu, deuxième poteau. La tête de Jérémy Wissmann et ce ballon qui est sauvé par Jonathan Mexique. Oh, il y avait un peu la panique dans la défense. Le ballon qui est mal renvoyé par la défense dunkerquoise. Keita qui frappe de loin, qui s'essaye. Et ce ballon qui a été touché, passe à côté du but d'Axel Maraval. Attention, il y a un 4 contre 3. 4 contre 3 pour les joueurs scholtais avec Abbas. Abbas qui rentre dans la surface, qui frappe et qui met ce ballon à côté du but d'Axel Maraval. Il est absolument tout seul.